Ça c'est côté compatriote a bougé dans zone là, citoyens a vinn acheter pâté là mes amis, pâté pâté pâté. Oh, moi si rivé dans zone côté m'a ka manger un petit manger haïtien. Nous gen belle madame ça là ka ban nous belle pâté là. Et zone m'poko connait nous zone non, mais nous dans capitale là, nous zone dans capitale là nous est là. Alors, gardez bien mes amis et on met le microphone là pour la belle madame. Pour la belle monnaie. On travaille, oui. Mes amis, comment nous y est Léona Show présent dans Mexico City. Je dis à la nous trouver dans une zone. T'assemble ici zone côté nous gagne plus haïtien qui concentré là qui bail service dans zone là. Et nous gagne madame ça là qui vend pâté là devant multi service et Don Peter. Venez. Don Peter et puis tout nous gagne business ça là. Et madame comment vous allez? Moi de Marjorie. Dans quelle zone nous sorti Haïti belle madame? Moi sorti Tibiro. OK. Comme et l'autre là vous êtes venu ici là là. Vous êtes venu direct sorti Haïti ou vous êtes dans l'autre pays déjà? Non, de Brésil. OK. Madame Brésil et puis m'aller me passer à pied ou taper à pied mais c'est combien ton gain ici là là? Bon, nous gain 9 mois. 9 mois. Dans 9 mois ça vous êtes en résidé? Non, pas vrai. Ok, où fait 9 mois là? Ou pas rentrer aux États-Unis? Bon, je suis venu vivre, je n'ai pas jamais tombé. Oh, toutes 9 mois, vous faites dans ce bip, vous n'avez pas jamais tombé? Non. Vous rentrez dans plusieurs groupes déjà qui crasent? Oui. Ah, ok. Et dernier groupe sont là-dedans, combien de temps vous avez? Bon, la peine d'un mois. Un mois. Vous avez passé. Mais vous venez, vous rentrez? Oui. Pourquoi vous venez ici là? Non. Vous avez une famille ensemble avec vous? Oui. Petit ok. Moi. Petit tout? Ok, important. Où moi va payer service pâté là? Combien ton gain de bois vendre pâté là? Bon. Combien ton gain? Moi. Et comment ça y est dans zone? Est-ce que business là marche vraiment? Bon, bien avec haïtien, yo côté j'ai un blanc acheté tout, mais c'est que on acheté. Vous aimez manger haïtien? Oui, j'aime manger haïtien. Ici là ou pas faire pâté ou comme ça? Yo pas faire aux gens qui nous même haïtien nous fait ou et les au goûter qui ça au tout même. Je dis le bon. Je dis le bon. Qui sont mettre dans pâté ou là? Mettez viande. Mettez viande, ouais. Viande poule, ça c'est viande poule. Ça c'est face là. Ok. Uh-huh. Ok. Mes amis, nous entendez bien? Mexicain ou a mangé, mangé haïtien. Ici là. Ok. Ok. Faut expliquer nos expériences dans le Brésil. Comment ça t'est même? Bon. Pour moi, il n'y a pas de mal, non? Vous avez vu bien là-bas, tout va arrêter, ok? Non. Pour moi... Vous êtes arrivé à résider là-bas, oui? Non. Brésil? Hein? Oui. Brésil? Brésil, oui. Et qui s'est motivé à quitter Brésil pour venir ici là-là? Ah, moi, tout le monde a venu, tout le monde. Brésil, là, un beau pays, bon bagage. Vous avez les regrets de ce côté venu, oui? Je pas regrette tout, mais quand même. Ah, c'est mon tout à fait, de faire caille, mon tout à fait. Vous êtes en fait caille là-bas? Oui. Vous vendez tout le bagage, vous venez? Oui. Est-ce qu'il te vaut la peine pour te faire sacrifice ça là jusqu'à présent? Non, il pas fait, tout le monde a venu, faire folie, tout. Folie, oui. Waouh. Ah, c'est mon vendre tout. Même j'ai avec un paquet de monde qui est aux États-Unis actuellement là qui dit que dès que vous avez quitté le Brésil, vous surtout dans le Brésil là, oui. Oui. Moi-même, si je ne donne pas de tourner. Si je ne donne pas de tourner? Oui. Mais où est-ce résidence là-bas? D'abord, oui, résidence permanente? Oui. Vous pouvez toujours tourner si vous faut désirer. Oui. Mais laissez-vous pas le tourner à zéro. Vous pas vous voulez me tourner à zéro? À zéro, non. Dans le Brésil, à zéro, non. Pour moi-même, non. Pour moi, je vais me faire un peu de tout le bagage, vous mettre à la tête même. L'arrivée, vous pouvez vivre, vous pouvez travailler, vous pouvez remonter. Travail comme ça, je vais faire commerce. Il y a un journaliste qui est le popi qui connaît des gens. Il connaît des gens. Il connaît publicité pour aider tout ça. Il a acheté un caïn ban, moi. Popi, c'est un Brésilien, un journaliste brésilien. Ok, important. Combien de temps tu fais vivre au Brésil même? Je fais 7 ans. 7 ans. 20. 7 ans, je vis 20 ans. C'est le 20 ou tu as 20? Oui. Quel est le business marché bien là-bas? Bon, très bien pour Haïtien et tout. Ok. Oui. Très bien, parce que les Brésiliens ont les Haïtiens. Mais il y a un pile Haïtien qui était là-bas, qui va déplacer? Qui va déplacer, Il y a un pile qui va vendre, sur 5 kilos de bagages, un pile de bagages. Un business, gros business. Ok. Mais les gens vivent là-bas, est-ce que vraiment son pays a dit qu'il a toléré le noir, ou toléré Haïtien en pile? Un pile de Haïtien en pile. Puis il y a un Brésilien qui a fait Haïtien en bagage. Ok. Ah! Haïti ou victime dans le Brésilien. Haïti qui victime parce qu'elle parle de femme brésilienne. Yo victime. Ok. Ok. L'arrivée aux États-Unis, sous ta jeune chance entrée, qui pose là-bas même? Qui pose dans le commerce. Commerce. Mais on dit de pour entrer aux États-Unis.
premier soir, fait pas le travail quand même, oui. Ma vente un petit bonnet, merci, j'ai 700 $ m'a fait commerce. Ah. Ou bien si j'ai 200 $ m'a fait commerce. Ah, vous pensez avec 200 ou bien 500 $ américains ou à faire commerce ou à gérer billet États-Unis? On fait commerce Brésil à 12 $. Non, mais billet va même. Billet va même. 12 pesos, on fait commerce, on fait caille. 12 reais, on fait caille. 12 reais, vous commencez avec le Brésil? Oui. Oh, c'est intéressant. Avec 12 reais, vous commencez à faire business, oui, jusqu'à ce qu'on arrive à faire caille? Faire caille. Business vous grandit? Je suis petit, moins. Oh. Oui. Mais c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, pensez, si vous arrivez aux États-Unis avec 200 ou bien 500 $ américains, n'en fait business, soit qu'à gérer l'Amérique, j'aime mieux dire. Oui. Bon, mes amis, nous entendez? Ça veut dire. Et c'est l'argent qu'on a tombé. Faut gagner business à la tête tout. Qui genre de business vous pensez faire l'arrivée aux États-Unis? Bon, si je suis dans caille, ma pas chez vos caille haïtien, ma fait pas de mon fruit. OK. Donc, on va faire un bagage dans la rue. Fait pas de mon fruit, mais on va faire un bagage les bonbons au bain. On va faire mettre dans bocal. Et puis, mon frère, mon travail, je vais mettre la valise. Et puis, je vais faire un masque et tout. Vous comprenez? Je vais faire un masque et tout. Après, c'est mieux. Et puis, je vais faire un petit top et tout. TikTok, vous êtes très populaire sur TikTok? Bon, pas tellement, non, mais. Vous avez un peu de monde qui suit vous? Oui. Ok. Mais, il y a une influenceuse qui arrive aux États-Unis qui tentait de faire. Il y a un business party qui n'a pas marché, non, parce qu'il a vendu une green party à $20 américains. Bon, il est Westerly Show. Bon, je ne fais pas mieux à 10 $. À 10 $. 5 $, 10 $. Mais comment ça? Il faut commencer le petit pour venir. Ok. Souvent, on dit pas 20 $, il ne va pas acheter. On fait pâté à 5 $. 5 $. Quand on vient de pile client, vient acheter. Si, si, claro que si. Mais nous avons un Mexicain qui vient acheter pâté là. Le estoy diciendo a mis seguidores que tu eres mexicana y vienes a comprar l'empanada haitiana. ¿Te gusta mucho? Mucho. Ok. ¿Desde cuándo descubriste esas empanadas acá? Ya tiene como un mes. ¿Un mes? Tenía curiosidad, dije, voy a ver cómo, a qué saben las empanadas de haitianas. Las empanadas haitianas. ¿Te gustó bastante? Sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿De aquí? ¿La diferencia de las empanadas haitianas y las mexicanas? Es que las empanadas de aquí de México son dulces. Son dulces. Son como dulces y no llevan jalea, algo. Son simples. Las haitianas son saladas. Y acá son más ricas. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, señora? Ada. Ada, un placer. Ok, mes amis, pour m'expliquer nous ça, Mexicain Nandi, elle dit comme ça fait environ un mois, elle découvrit pâté haïtien. La différence qui gagne, c'est que pas haïtien, on fait salé, ça veut dire avec sel, mais pâté, il fait. Tant que différents pâtés qui ont fait et dans gastronomie mexicaine et dans gastronomie mexicaine ils ont des gens douces et puis ils font avec farine qui est différent. Ok, et madame Navon là c'est mon là bas nous elle est tablier là même j'avais nous déjà avons son femme business. Ok, elle arrive aux États-Unis, elle déjà dit avec 200 ou 500 dollars américains elle a commencé business, elle quand même arrivé acheter Kylie. Para Haití. Este ¿Puedo video? Saludarlos para allá sí, Haití? Sí, claro, saludos. Muchos saludos para allá Haití, que estén muy bien, cuídense mucho allá, a ver si me entienden español. Sí, gracias, que te, ¿sí? Te voy a traducir. Ok, mis amigos mexicanos dicen cosa y la salida de Haití, de Haití, de Haití, de Haití, y les pido que tú te acabamos. Son buenas personas los haitianos, los queremos. Ok, les digo cosa que yo me mexico y Haití en pil, porque Haití es común. Somos chambeadores, ¿verdad? Sí, muy trabajadores, muy trabajadores. Ya, Haiti, yo le meto porque no me trabaja. Sí. Muchas gracias. Ok, no me trabaja, la salí toda la comunidad haitiana. Voilà. La bendita que él pour le mete pour le. La va a meter ketchup. Ça un petit piquis la piqué? Oui. Ok, yo le meto piment, yo le meto piment. ¿A ti te gusta el piclis haitiano? Esto se llama piclis, que es sí. Bien picante, ¿verdad? Sí. Primera vez que. Sí, me gusta. Sí, te gusta. Es la primera vez. Voilà. Y si me piclis, vení. Si piclis, si va. Igual, manjo un pate. Va a manjo un pate. Vamos a ir a manjo un pate. Eh bien, belle madame, ¿cómo va a ir a un obsalé Haiti là? Oui, ma salé, famille, moi, à tout le monde qui a fait pate. Ah ah.
Je salue toute la famille, mes grands frères, mes petits frères. Je salue toute la famille, tous les Haïtiens qui sont à Haïti, qui ont des problèmes. 25 ans. Qui ont des problèmes. Je salue. Mais depuis que tu es sorti, courage, depuis que tu es sorti, tu n'as jamais retourné à Haïti, non? Non. Alors, on a vécu presque 8 ans pour quitter Haïti. Oui. Est-ce qu'un jour, tu veux tourner à vivre dans le pays? Oui. Oh! Quelles conditions que tu as dû réunir pour tourner à vivre à Haïti? Quelles conditions que tu as dû réunir pour tourner à vivre à Haïti? Bon, depuis Haïti, bon. Bye bye. Depuis Haïti, changer. Et bah, vous venez bon à tourner. Bon, parce qu'on a le vent dans la plage. Qui plage? Qui plage Haïti qu'on a le vent là-dedans? On a le gelé. Ok. Mal vent boisson. Qui plage dans le pays? Yeah. Mal nous avons plus belle bagaille. Oui, mais c'est le système non, qui pas fin bon pour nous rester la caille. Oui, parce que nous avons plus bagaille qui boit dans le pays. Qui produit nous conduit en Haïti qui n'a pas joué ici là en parlant de ça? Ok. Et non. Ok. Qui produit encore? Moi-même, quand je suis parlé de l'Inkea, je ne suis pas joué ici là? Non, je ne suis pas joué. Ah, non, pas une. Pourquoi je ne baille comme ça même? Parce que tu fais pile temps ici, en pile marché, tout presque pesticain, vous connaissez. Dans toute la capitale là, vous connaissez un paquet de côté? Dans dimanche, vous marchez dimanche toujours, vous marchez lundi toujours. Ok. Ou pas jouer un produit ça ou dans le marché ça ou. Ok. Mais pour nous venir ici là, est-ce que vous mangez dans le marché mexicain ou dans le restaurant? Oui. Ou même manger? Bon, manger, mais c'est le bah là. Qui va là? Cricket là. Hein? Cricket. Ah, cricket? Oui. Oui, moi, vous mangez cricket ici là tout. Bah, je mange cricket là. Ok. Eh bien, d'accord, belle madame, merci, merci. C'était un plaisir. Okay. Pour me dégager, on a les ounas aujourd'hui. D'accord. Et moi, dans la zone là, on a toujours fait des dialogues. Et puis, on a invité Mounio. Et bien, Mounio, adresse là. Mounio qui Mexico City là pour venir acheter pas de nommé. Bon. Vous avez une adresse là? Vous avez un numéro de téléphone? Vous avez quel contact? Vous avez un numéro de téléphone pour contacter pour pâté ou non? Pour pâté, j'ai un numéro, c'est plus 52 951 et 265 76 16. Ok, bye bye, à la prochaine. Mes amis, Meli, dis-nous ça, automatiquement, Léon est arrivé dans Mexico City. Ok, nous pour le produit, compatriote là, belle madame n'a pas de pâté là, pour le manger pâté, pas capable de manger pâté. Parce que bagaille qui normalement, je ne sais pas si je ne parle pas, mais je viens ici là. Pâté Pamna, son pâté spécial, madame n'a fait pour moi. Je suis là pour me capable manger, ok? Je mette plus causé là-dedans pour moi. Je fais des pâtés là, parce que je marche avec une cousine moi là. Et nous, chaque là, pour le manger un bel pâté. Je envie de manger un petit manger haïtien. C'est pendant que je viens ici, je viens dans Mexico City. Je vais manger devant la caméra. Je enjoy et puis on apprend dans une autre vidéo, ok? Et il y a un restaurant haïtien, tout le monde qui fait l'autre manger. Je vais essayer de manger haïtien pour manger dans la ville. Quittez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube, tout côté. Et puis Léon Nacho, nous dans Mexique, nous avons frappé. À la prochaine.